Alors bonjour, euh, euh, je suis euh, content d'être accompagné de Monsieur Legault et euh, content de la rencontre qu'on vient d'avoir avec Monsieur Legault également et son équipe pour discuter des enjeux euh, concernant l'agriculture, euh, d'entendre son enthousiasme par rapport au, au secteur agricole et euh, à la, au développement de ce secteur-là pour améliorer l'économie du Québec et la, la croissance de notre économie. Et, et ça. Ça, va, ça correspond exactement aux souhaits qu'on avait lorsqu'on a invité les candidats, avec le slogan qu'on avait, nous aussi un peu pour la campagne, participer à la croissance. Alors je crois que à ce niveau-là, on s'entend très bien. Euh, je vais euh, vous dire encore, euh, comme je l'ai fait un peu euh, précédemment, que pour nous, cette campagne-là, c'est une occasion de discuter des enjeux agricoles. On avait décrété le 17 et 18 mars journée agroalimentaire, parce qu'on souhaitait, parmi tous les autres sujets, qu'on puisse un peu parler d'agriculture. Vous savez, les, les consommateurs québécois dépensent chaque année 35 milliards de dollars en alimentation et services alimentaires. Donc, c'est énorme et c'est récurrent. Alors, euh, c'est une industrie qui est très importante. À chaque fois qu'on augmente d'un point la consommation de, de, de produits québécois dans notre assiette, on génère 75 millions de dollars en revenus à la ferme et autant en transformation. Alors, il y a un potentiel important. On est environ à 33 de contenu québécois dans notre assiette, et nos produits sont également réputés et reconnus à l'étranger, notamment le porc, qui est très apprécié dans les pays asiatiques. Donc, il y a beaucoup de potentiel au niveau agricole. Et cette campagne-là nous permet de, de partager nos, nos points de vue, nos enjeux et nos perspectives de croissance avec les différents partis. Et on l'espère avec euh, que celui qui formera le gouvernement bien, retiendra un peu des idées qu'on lui aura suggérées. Alors sur ça, je remets, j'invite Monsieur Legault à prendre la parole, à faire son point également. Puis s'il y a des questions qui concernent l'agriculture, ça me fera plaisir euh, de participer. Ben d'abord, euh, merci beaucoup. Je veux remercier Monsieur Grohulot pour euh, l'invitation. Euh, toujours, euh, moi avec beaucoup de plaisir, que je viens de rencontrer euh, les producteurs agricoles. Il ne faut jamais oublier que la grande majorité sont des entrepreneurs, donc on se parle entre entrepreneurs. <coughs> Évidemment, euh, euh, j'ai répété un peu les objectifs euh, en termes de développement économique euh, de la coalition Avenir Québec. On veut, entre autres, euh, mettre beaucoup d'emphase sur euh, le développement de nouveaux produits, sur euh, l'exportation. Et ce que je disais à M. Grosleau, puis aux gens qui représentent les différentes productions, c'est que je souhaiterais... En plus des services financiers, de la financière agricole, que Investissement Québec soit davantage à l'écoute des projets. Euh, des entrepreneurs qui ont euh, des idées pour euh, des nouveaux produits, pour une nouvelle mise en marché, pour euh, ajouter euh, de la valeur à leurs produits, pour euh, faire de la transformation alimentaire de toutes sortes. Je trouve que Investissement Québec n'est pas assez euh, agressif avec euh, les projets des agriculteurs qui sont souvent renvoyés à Financière agricole. Euh, évidemment, un des grands enjeux qui a été traité par le PQ, mais sur lequel il faut vraiment que ça se sente sur le terrain, c'est l'achat québécois. Euh, il y a euh, beaucoup à faire de ce côté-là. Euh, je pense qu'Aliment Québec, euh, quand ils investissent un dollar, euh, il y a beaucoup plus qu'un dollar de retombées quand euh, les Québécois achètent ici plutôt que d'acheter des produits euh, importés. Une des grandes frustrations que j'entends souvent sur le terrain, c'est que les normes qu'on s'impose au Québec sont parfois plus dures que les normes qu'on impose aux produits importés. Donc, il y a une certaine justice qu'il faudrait respecter. Puis, il faut euh, s'assurer aussi qu'on fasse plus euh, au niveau de l'étiquetage des produits québécois. Quand on va euh, chez Metro, chez Provigo, euh, c'est toujours difficile, en tout cas moi je suis toujours surpris de voir que c'est difficile d'identifier les produits. Euh, prenez le porc par exemple s'il y a une place qu'on devrait voir que le porc qu'on achète c'est du port québécois mais pour toutes sortes de raisons on peut pas toujours euh, le voir donc il y a du travail à faire euh, du côté de l'étiquetage puis de l'achat euh, québécois évidemment euh, euh, la gestion de l'offre euh, nous euh, on en est on pense que euh, c'est important dans les productions qui fonctionnent bien euh, de garder euh, cette euh, formule on pense euh, euh, Bon, moi, je n'ai pas de cachette, j'en ai parlé franchement. Il y a un dossier sur lequel on a euh, un désaccord, c'est sur euh, Pangea. Euh, actuellement, euh, le Québec est à peu près un des seuls endroits au monde où la majorité des terres agricoles euh, sont encore la propriété des producteurs. Partout ailleurs dans le monde, la majorité des terres sont possédées par des financiers. Euh, évidemment, là, il y a un système qui est en train de se mettre en place avec Pangea. Ça inquiète. Avec raison, certains euh, producteurs euh, qui euh, euh, voient peut-être leur héritage partir, mais euh, moi je pense que c'est comme inévitable que si on veut permettre à certains producteurs d'atteindre une taille optimale, que ça passe par une certaine financiarisation euh, des terres et euh, que, que c'est un ajustement qui doit être fait, qui doit être suivi. On doit s'assurer que les compagnies comme Pangea est beaucoup de compétition. Donc, si on veut offrir des bonnes conditions aux locataires, il faut qu'il y ait plus de locataires. Donc, de ce côté-là, il y a euh, du travail à faire. Peut-être euh, dans un autre ordre d'idées, euh, parce que ça va sûrement euh, faire partie de vos questions, euh, j'ai regardé le cadre financier euh, du Parti libéral qui a été déposé tantôt par euh, Philippe Couillard. Ce que je me rends compte, c'est euh, d'abord, il n'y a aucune baisse de taxes de prévu pour cette année euh, 2014-2015 et pour l'année prochaine 2015-2016. Il y a des très petites baisses de taxes de prévu pour la troisième et la quatrième année. Et la grosse année de baisse de taxes pour M. Couillard, c'est la cinquième année, donc dans un deuxième mandat. Donc je pense qu'on peut dire aujourd'hui que M. Couillard manque de courage pour euh, réduire les taxes euh, des Québécois pendant euh, le prochain mandat. Et euh, je pense que euh, la coalition Avenir-Québec, aujourd'hui, maintenant qu'on a le budget du Parti Québécois et le plan financier, euh, le cadre financier du Parti libéral, la coalition Avenir-Québec est le seul parti qui va euh, réduire les taxes euh, des contribuables au cours des quatre prochaines années. Euh, Petite surprise qu'on a vue dans le tableau 2 du cadre financier, quand vous regardez l'année 2014-2015, euh, les revenus, euh, juste vous dire, il y, a, il y a une erreur de 3 milliards et demi. Donc, ça ressemble à de l'improvisation, ça ressemble à un cadre financier qui a été revu sur le coin de la table. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans les derniers jours, les dernières semaines, mais c'est quand même pas rien là, que le Parti libéral se trompe de 3 milliards et euh, demi quand on additionne les revenus pour l'année 2014-2015. 15, là, ça sent beaucoup euh, l'improvisation. Oui, bonjour. Bonjour. Oui. Écoutez, euh, je voudrais reprendre un peu au bon votre affirmation sur Pangea et l'importance oui. des fonds, euh, la financiarisation justement des terres agricoles. Qu'est-ce que vous proposez euh, en retour aux producteurs qui sont inquiets finalement de, de préserver leurs terres, de, de, de les vendre à des spéculateurs potentiellement? Okay. Je ne parle pas de, de, de spéculateurs chez Pangea, mais quand même, hum. est-ce que vous êtes inquiet de la situation au Québec bien, au niveau des terres agricoles? Je, je donnais un exemple. C'est toujours... C'est toujours biaisé quand on parle de certains exemples, mais quand j'étais chez Air Transat, on ne possédait pas nos avions. Euh, la plupart des gens qui habitent des bâtisses ne possèdent pas leurs bâtisses. Euh, je pense que de plus en plus, dans le monde des affaires, partout dans le monde, il y a une différence entre euh, celui qui possède les actifs et celui qui opère ces actifs-là. C'est une tendance là, qui est, à mon avis, un petit peu inévitable, qui permet, par exemple, prenez un jeune euh, producteur agricole qui commence d'aller demain matin s'acheter une terre là pour quelques millions de dollars n'est pas accessible à tout le monde si par contre décide qu'il loue la terre qui fait des profits avec sa production parce qu'il y a un bon loyer pour sa terre ça ça suppose qu'il y ait plus de compétition euh, de la part des locataires mais actuellement là on est dans une période de transition au Québec on n'était pas habitué à ça un des seuls endroits dans le monde ont appris comme ça. Donc, faut effectivement s'assurer peut-être qu'il y a un suivi. Donc, moi, je ne suis pas fermé à l'idée que le, le gouvernement regarde pour que euh, les conditions, euh, qu'il n'y ait pas d'exagération, qu'il n'y ait pas de spéculation. Déjà, on a tous voté en faveur d'une loi pour dire que les terres devraient pas être vendues à des non-résidents. Euh, donc, je pense qu'il y a peut-être un, un encadrement à mettre de, de ce côté-là. Mais je pense que... Euh, on peut pas se battre contre le fait qu'il il, il va y avoir de plus en plus euh, euh, deux joueurs, là, ceux qui possèdent les terres, ceux qui les opèrent, dans certains cas. Il y en restera peut-être 30-40 qui auront les deux, ce sera les mêmes personnes, mais je pense que c'est comme un petit peu inévitable. Si on veut euh, rendre l'accessibilité grande ouverte, si on veut qu'il y ait plus de producteurs, entre autres des jeunes, qui se lancent en agriculture, il faut que ça soit plus disponible, le financement des, des terres agricoles. Puis, honnêtement, aller emprunter de l'argent à la banque, puis payer un loyer à, 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 à tous les mois pour rembourser son hypothèque, ou payer un loyer à un financier, c est, c est, ce qui est important, c'est que le loyer soit à un prix raisonnable. Vous êtes quand même conscient qu'au Québec, il y a beaucoup de fermes qui, ont, qui disparaissent, qui, qui ont des problèmes financiers, des problèmes de liquidité, des problèmes de financement. Est-ce que vous avez des solutions à leur proposer? Quand Bien, ça est une solution. C'est ouais. que euh, si le propriétaire agricole dit « j'ai pas besoin, euh, ma terre, là, à la limite, je peux la vendre », puis après la louer pour 25 ans avec option de renouvellement, ça libère des liquidités pour être capable d'investir dans de la machinerie ou dans d'autres choses. Des fois, puis M. Groslou me le disait, le concept de Pangea, il est peut-être trop euh, inclusif. Là. Il s'occupe de la mise en marché, s'occupe d'acheter, s'occupe de l'équipement. Ça va évoluer, ça. À un moment donné, il va y en avoir qui vont faire juste une petite partie, qui vont dire Moi, je fais juste financer ETAR. Mais. C'est clair, là, par contre, qu'il faut que ça soit québécois. Donc, il faudrait sûrement euh, réglementer pour s'assurer que ça reste propriété québécoise. Juste une dernière question. Au niveau de l'État, est-ce que, est que vous pensez que l'État devrait intervenir quand même pour protéger les terres? Une SADAC euh, comme en France? Bon. Ou vous êtes ça? Dans, Non, c'était dans notre dernière plateforme électorale. Si vous allez voir notre plateforme électorale en euh, 2012, ce qu'on proposait, c'est que dans chaque région du Québec, on crée une espèce de fiducie qui appartiendrait au gouvernement du Québec. Euh, il y a des banques qui sont disponibles et qui sont intéressées à financer ça, puis que cette fiducie louerait des terres avec option de renouvellement là indéfinie à, à, aux différents locataires. Donc, on est ouvert à ça aussi là pour s'assurer qu'il y ait cette possibilité là partout dans toutes les régions du Québec. Pangaea, est-ce que vous avez des... on sait que ça a été créé par Monsieur Sirois qui exact. est le fondateur de de euh, l'OSBL qui, qui, qui a débouché sur votre parti? Euh, C'est sûr, j'en ai parlé avec Charles Serrois, mais j'en ai parlé aussi à, avec certains producteurs agricoles. Puis je l'ai dit tantôt à M. Euh, groslot puis à ceux avec qui j'ai rencontré, parce que je sais que l'UPA est con, mais il y a des producteurs agricoles qui sont pauvres. Euh, C'est un peu comme euh, quand on a des actions cotées en bourse. On aime bien ça quand on prend sa retraite, qu'il y ait leur vraie valeur. Okay? Donc, il euh, y en a qui sont contents que les terres prennent un peu de valeur au Québec. Il y en a d'autres qui voient ça comme étant inquiétant que les terres, que le prix augmente trop rapidement. C'est vrai, dans certains cas, que ça a créé un peu de spéculation. Mais je pense qu'on vit une période de transition qui est difficile. Mais dans cinq ans, dans dix ans, dans 15 ans, on va probablement se ramasser avec un système comme il existe partout ailleurs dans le monde. Je pense qu'il y a 60 de toutes les terres dans le monde qui appartiennent à des financiers plutôt qu'aux producteurs. Donc, on, on, on va graduellement se retrouver un peu comme tous les autres dans le monde. Je sais que M. Grosleau n'est pas d'accord. Vous allez avoir ça. les deux points de vue. Puis, Puis M. Sirois, as-tu un impact? C'est ça aussi ma question. Alors, c'est sûr que nous, on n'est pas de cet avis-là. Tout d'abord, lorsqu'on parle aux producteurs, nous, les producteurs nous disent, euh, a, ils ne souhaitent pas qu'il y ait une intervention à ce moment-ci euh, réglementaire pour les obliger ou les empêcher de vendre leurs terres à qui ils veulent. C'est principalement ça, leur inquiétude. Maintenant, il ne, il ne, personne ne nous a dit, on souhaite le modèle Pangea. Il faut faire la distinction entre je veux avoir la liberté de vendre ou de transiger ma terre avec qui je veux et quel modèle serait bon pour me développer. La, les terres agricoles reste que, on ne peut pas comparer ça non plus à un avion. Un avion, c'est un, un actif qui se déprécie, euh, qu'on amortit dans le temps parce qu'après un certain nombre d'années, il perd sa valeur. Une terre agricole, ça ne s'amortit pas. Lorsque j'achète une terre agricole, dans mon bilan, elle va toujours valoir le prix d'achat et euh, lorsque je vais euh, la vendre, il y aura un gain de capital sur... Euh, mais il n'y a pas de dépréciation sur la terre agricole. Alors c'est sûr que les investisseurs comme Pangea ou les autres, ce qui les intéresse, c'est la sécurité de l'investissement dans les terres agricoles, plus que le rendement agricole de la terre. C'est là où il y a une distinction très nette entre un investisseur et un producteur agricole. Et nous, on veut que les terres continuent d'être possédées par des producteurs agricoles. Et non pas des gens pour qui la valeur, la valeur monétaire ou financière est plus importante que la production. Vous avez parlé oui. de l'incompatibilité de des normes sur les produits agricoles, alimentaires. Oui. Est-ce que la solution, c'est de baisser les normes au Québec ou c'est d'augmenter les normes sur les produits importés? C'est d'augmenter les normes sur les produits importés. Puis ça, ça passe par le gouvernement fédéral. Donc ça suppose des négociations avec le gouvernement fédéral. Il faut plus de produits québécois dans les paniers d'épicerie. Qu'est-ce qui ne fonctionne pas actuellement dans la politique de souveraineté alimentaire du Parti québécois? Vous dites que ça ne donne pas de résultats. Deux choses. D'abord, l'étiquetage. Il y a un problème. Les produits québécois ne sont pas bien étiquetés. Deuxièmement, euh, on n'en fait pas assez la promotion. Je pense que. Je ne sais pas ce qui est arrivé avec les budgets d'Aliments Québec. Est-ce que les budgets d'Aliments oui, Québec ont été réduits? En pense en, on que... un engagement sur 80%. Ok, donc euh, moi je pense que c'est un bon investissement Aliment Québec si euh, on réussit effectivement à ce qu'il y ait plus d'achats québécois, les retombées économiques sont très importantes plutôt que de consommer des produits euh, importés. Monsieur Legault, vous êtes arrivé, vous avez donné une phrase comme quoi investissement Québec. Vous croyez qu'investissement Québec n'en fait pas assez pour les agriculteurs? Euh, on sait que Mario Albert est récemment arrivé à la tête de la société. Est-ce qu'on y voit là un désaveu de sa gestion euh, par, euh, par vous? Bien, je pense que les orientations sont d'abord données euh, par le ministre Marceau, la ministre Zakaïb. Donc, euh, Mario Albert, c'est plus euh, quelqu'un qui livre la marchandise qu'on lui demande de livrer. Moi, je pense qu'il y aurait avantage à avoir beaucoup plus de flexibilité chez Investissement Québec. Euh, ce qu'on propose d'ailleurs, c'est de reprendre une bonne partie du 2 milliards de crédit d'impôt, de le donner à gérer Investissement Québec, puis qu'Investissement Investissement Québec fasse un vrai démarchage d'investissement avec des cibles qu'à chaque mois on demande euh, au président d'Investissement Québec. Ce mois-ci, vous avez rentré combien d'investissements privés au Québec? Il faut que ça devienne une obsession, l'investissement privé. Merci.